អង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្បការហើយផ្ដល់វិការជូនទៅមានវិវិទៅកូពេដើម្បីបន្តការតាំងសំណើដល់ចំពោះអ្នកជំនាញThank you, Mr. President. May the people pay some of the European, you will soon look such a crumb, Sakari, and Mr. Locard. You will soon look HENRI Locard. 30 more minutes, so I have to skip a few subjects. I have two remaining topics that I would like to ask you about. The first topic is in relation to something you said.គឺប្រធានបទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយនៅថ្ងៃទី1នៃការចូលមកផ្ដល់សកម្មភាពសិកម្មនេះគឺ and I quote I approached DK from the history of the Cold War ថាខ្ញុំបានចូលសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់គឺថាខ្ញុំអាន particularly on China តែប្រទេសកុម្មុយនីសប្រវត្តិប្រទេសកុម្មុយនីសទេជាពិសេសគឺប្រទេសចិនហើយបន្តមកទៀតលោកឆ្លើយថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយកគំរូពីប្រទេសចិនមកដល់សង that youwould consider yourself in a position to say whether you can put the alleged mass atrocities in the DK that you have talked about in perspective of mass atrocities committed in Western states or states supported by the Westបណ្ដារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់នោះដែរទេThank you for this question. I thought that we were going to ask, we are going to talk about Mao's China, but apparently we're going to speak about atrocities during 1975 and 1979 committed in the West and by Western countries. On the subject, I know nothing.ពាក់ព័ន្ធប្រធានបទនេះខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានអីអាចឆ្លើយបានទេពីព្រោះខ្ញុំអត់សិក្សារៀនសូត្រពីរឿងនេះទេមកពីគូពេខ្ញុំដកស្រង់ពាក្យពេចន៍របស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ would assume or that would possibly imply that you also ដែលក្នុងគ្រានេះអាចមានន័យថាលោកក៏មានការយល់ដឹងអំពីការសម្លាប់រង្គាល Western countries or ប្រព័ន្ធឡើងដោយពួកប្រចាំប្រទេសឬក៏ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពួកប្រចាំប្រទេសតែម្ដងលោកចង់និយាយថាយ៉ាងដូចនេះឬNo, I have not. And I don't really know what you're talking about. Let me ask you very concretely. That's about mass atrocities in a country which was extremely relevant to CPK policy, especially.Policy of secrecy that you also talk about. That's is that a mass atrocities committed in 1965 in Indonesia. Do you know anything about that? I have never specifically studied that. I know that from indirect sources, from secondary sources, that indeed the Khmer Rouge were very much aware of the massacres committed in Indonesia, Calcutta, hundreds of thousands of victims, mostly among the Chinese community.នៅក្នុងសហគមន៍
Everybody, and I also read that I think Nguyen Chia was particularly aware that the Communist Party could be destroyed, mainly if the leaders were arrested and destroyed. So that is why he was so keen to protect the leadership. But that's barely in the West. This belonged to the Cold War, the non-allied countries, the seat of the Bandung Conference, which was 1955, 10 years before. So that's not really atrocities committed in the West. But to finish this subject, you're not in a position you feel yourself to make any comparisons in terms of scale and et cetera, between mass atrocities in Indonesia. Not at all. No, I have not studied in your book on the sayings of Khmer, B3/2-1-2. Khmer 0081 0744 French 0394 999. You say the slogans. Quote unquote, strikingly expressed DK policies. Can you elaborate on that? Yes, they constitute a summary of what were the main policies of the Democratic Cambodia. The classified, my typology was expressed by various, I classified them in various chapters. The first one was the slogans in praise of the regime. I remember that Sihanouk, in his memoirs, insisted on the fact that the Khmer Rouge, in listening to the radio, were particularly self-congratulatory, that they were convinced that they invented a new way of managing a country which was going to be followed by the rest of the world. Cambodia would be in the forefront of the struggle, I would say, for the revolution, but for prosperity. That's one. The second one is the slogans are out, which are inspired to a large extent by Mao's own little red book. And that is, again, as I said earlier, the first public lecture that I gave on the subject, Mao's slogans and Mao's little red book. And on that occasion, I realized that Mao's little red book, which were in the mid-60s, late-60s, handed by millions of people throughout the world, not only inspired the Khmer Rouge, but were quite hollow, represented philosophically, really very little or nothing. The next one was Anka, how the country was managed. Anka was the source of all power, but also all affection, was the equivalent of power. So I collected all the slogans around the insightfulness, how clever Anka was, and how well governed Cambodia was.
And then the next was, I think, the hunt for enemies. That enabled me to understand how enemies were classified, identified, what happened to them, how they were tortured, and so on. The next one, perhaps you want me to stop. Yes, I apologize for interrupting you, but my question, I want you, if possible, to confirm that, if that's still the case. You confirm that you can say that the slogan strikingly expressed DK policies without having extensively studied the content of the revolutionary flag and revolutionary youth. Why should primary sources, referral flag, and revolutionary youth should be the only source of information about DK policies? I have studied and read extensively reports about the Khmer Rouge radio on one hand, and when you do research in any field, you use other people's research too, so you use secondary sources as well, and then you, through your own enlightenment or cleverness, you analyze similar sources differently, or you find new sources. And I just build on the work of my predecessors, who are mainly David Chandler, The Tragedy of Cambodian History. Let me illustrate my point. I already mentioned the Chinese proverb, no gain, etc. But let me refer to now something which is very much related to democratic Cambodia, which is the new people or 17 April, extensively in chapter 5, which is the book, they talk about the new people or the 17 April people, saying in English 209, in French 170, that is your book E3/2812. In that saying 209, it says the 17 April people are parasitic plants. The idea of parasites or germs belongs to a Maoist or Stalinist vocabulary that refers to social, political or ideological groups that must be closely watched and eventually eliminated. Now, let's first start with the word 17 April people. That word is nowhere to be found either in revolutionary flags, revolutionary youth, or famous reports. These publications always refer to new people rather than 17 April people. Well, I'm sorry, Nak Dop Pa Pe Mesa, in Khmer meaning 17th people, was the most common appellation or the most common way of naming the new people. I heard that throughout the country. Perhaps, again, my research is based on what the people were saying, what the people had, how the people had understood the regime, and it is not based on academic research, on book research. It's based on grassroots research, like an anthropologist or it doesn't concern you that the word 17 people cannot be found in any official publication. I couldn't care. This was not my choice of sources.
my church of sources where the memory, the brain of the people. Yes. But let me now go to the content of that saying, people are parasitic beings, or the new people. You said that you have studied extensively Maoist ideology. Isn't it true that the mere fact that the CPK used the word Prachichun, new Tamay, Prachichun Tamay. Isn't that indicative of the fact that new people, the definition could never be seen as enemies as such because the Chinese were people used? I'm not quite sure that I really understand your question. What I know is that in DK policies, most of their policies they borrowed from radical Chinese policies, that is the Great Leap Forward and the so-called Cultural Revolution. But they added their own contribution. And the idea of divided the country into two castes. They abolished classes, but they created castes. The difference between a caste and a class is that there is social mobility. In your life, or through generations, you can change class. In caste, the idea of caste comes from India, as you know. You are born in a certain caste, and you cannot change caste. And it doesn't have to be like this. Whether you are a new person or Dopa-Permisa, you could officially, you know, in their literature, they say, by education, by taking, you know, a revolutionary way, frame of mind, you could gradually become old people or revolutionary people. In theory, this is the case, and even by the end of the regime, it had been decreed that the distinction was no longer valid. This distinction is, of course, quite outrageous. It entailed marriages, for instance. You could only marry within your own caste. This is something very specific to democratic Cambodia, really very against equality, basic equality, equality, liberty, equality, fraternity, what we believe in France. Is completely flouted by this idea of separating the 17th of April people. On the other hand, there were also the old people, who were also called 18th of March people. Why 18th of March? This was the time when Sihanouk was lost power, 1970. So the people who immediately joined the revolution were the old people on the 18th of March. I think you misunderstood what I'm trying to say. As you know, in China, China's formerly called the People's Republic of China. If you refer to a group as people, then the definition មនុស្សក្រុមណាម្នាក់ជាប្រជាជនអញ្ចឹងគេមិនចាត់ទុកណានោះជាខ្មាំងទេពីព្រោះមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសបុជាមនុស្សកម្ពុជាម៉ៅសេតុងនេះជាដើមអូទ្រេវូលូសិនអ៊ីសអលអបោតនឹងអាចគឺបដិវត្តន៍ធ្វើអញ្ចឹងរបបកុម្មុយនីសណាមួយក៏ដោយតកាលណាគេហៅប្រជាជនទោះជាប្រជាជនថ្មីក្តីក៏នៅតែជាប្រជាជនចឹងស្វាល់ I'm putting ចឹងធ្វើបដិវត្តន៍គេនៅតែហៅប្រជាជនដដែលតា Well, that's your interpretation. That's not specifically mine, and I don't think it's an interpretation of most historians. Well, let me put to you then what Pol Pot himself said when Vice Premier Chen Yung-kei
And that is in response to you saying that Angkor is God. I'm referring to E3/1783 English 0608 French 0607 Khmer 0659 2611 stories being told about how the Buddhist monks used to say that only God can use can dam the Chinit River. Yes, that's interesting what you said. This is part of the rhetoric of Angkor, or the leaders of Democratic Cambodia. Just as Nguyen Chi said, instead of making prayers, the farmers always making prayers at the beginning or before, at the end of the dry season for the rain to come. And Nguyen Chi said, rather than making prayers for the rain to come, it's much better to build canals and dams so that the population has, by their own exertions, their own work, an abundance of water for having several crops. Let me move on. Still talking about enemies. On the second day of your evidence, 9:18 in the morning, you said that in your decay, enemies were worse. You referred to several people being called parasitic clans, and in your article, The Khmer Rouge Gulag, E3/ English ERN 0039 Khmer 0002 2600 French 0079 6286 You refer to enemies and to a speech of about him using the word microbes. You say, I quote, although great victories were always gained over these microbes, they kept proliferating like cancer. Do you remember writing about the microbes speech, so to say? Yes, of course. In my last book, The Khmer Rouge, I have a whole page about the various expressions, images, comparisons that were used to designate people for elimination. And these terms I took from the writings of Steve Hedder, and I have half a page terms of abuse against the enemies in general.
And I have another half of page about how to eliminate them, sweep them clean, so on and so forth. I'm not the only one to comment on that. I think everybody has. And if you're on the full list, I don't have many books, but I don't have again. For quite a good I don't have it here. I cannot give you the exact page of reference. But it's in both editions of my books, and it's a very impressive collection. So did the use of words like microbes or viruses, cancer, or parasite, is that something which you would consider slogans, quote-unquote, that strikingly express DK policies? Yes, of course. Before eliminating the people, they had to be excluded from mankind. Basically, there were insects, there were chlieng, that is blood suckers, Let me read to you something, and then I would like to ask your reaction. It's a citation. We will continue to cleanse the virus from all state institutions because this virus has spread. Unfortunately, like a cancer, this virus has enveloped the state. Do you know who uttered this particular quote? Sorry, I cannot recollect. But does it sound like slogan striking the state? Well, the witness is thinking reference, please. Well, this quote is definitely not a slogan, but part, I suppose, of a speech or recommendation, probably on the part of someone in position of power. Well, that is indeed correct. A quote from 2 weeks ago. ខ្ញុំសូមជួយវិក្សាដកស្រង់ការពីពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានការចោទសួរតោះតានេះអមមានផ្ដល់ទៅការជូនទៅក្រុមសហវិជ្ជាការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញ Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Locard. Je m'appelle Henri Locard, je suis co-avocat international de Monsieur Sampan et je vais prendre la suite de mon confrère. Je vais vous demander de faire particulièrement attention parce que nous parlons tous les deux français et qu'il faut bien que tous les deux nous pensions à marquer une pause pour qu'il y ait le temps de la traduction. Donc je vais essayer de suivre ce conseil également. Je voudrais revenir très brièvement sur le choix que vous avez indiqué avoir fait
essentiellement axer vos recherches sur ce que la population avait compris de la politique du Cambodge démocratique, notamment au travers des slogans. Et comme l'équipe de Longchia, nous avons fait le détail, nous avons recherché dans vos différents ouvrages, que ce soit le petit livre rouge de Pol Pot, pourquoi les Khmer rouges et éventuellement les autres articles, quelles étaient les sources contemporaines que vous avez utilisées. Et effectivement, il y avait très peu des standards révolutionnaires. Il n'y en a eu qu'un pour pourquoi les Khmer rouges. Je voudrais des précisions sur certains ouvrages que vous avez mentionnés. Premièrement, dans Pourquoi les Khmer rouges, dans vos notes de fin, vous citez un livre que vous appelez le livre noir. Et en auteur, vous mettez Pol Pot. Je voudrais savoir si il s'agit du livre noir tel que nous le connaissons dans ce dossier, à savoir le document 3/23. Qui est le livre noir fait épreuve des actes d'agression et d'annexion du Vietnam contre le Kampuchea, et peut-être avec l'autorisation de son président, si monsieur ou madame l'huissier peut remettre la première page, que monsieur Locard puisse confirmer que c'est bien sur cet ouvrage qui a travaillé. C'est la première page de l'ouvrage, mais est-ce qu'on est d'accord que c'est ce livre sur lequel vous avez travaillé qui a priori émanerait ce qu'on a entendu devant cette chambre du ministère des Affaires étrangères? Oui, bien sûr, c'est de ce document que je parle. J'ai d'ailleurs la photocopie complète dans mes notes ici au Cambodge. C'est pas la même édition que celle-ci, puisque je vois que c'est une réédition en France. C'est un long article, c'est pas vraiment un livre, mais c'est un papier. On dit que c'est Pol Pot qui en est auteur, oui. C'est un point de précision et vous avez longuement évoqué le FBIS, que nous avons aussi beaucoup utilisé devant cette chambre. Ma première question sur ces émissions de radio qui ont été diffusées et qui étaient entendues par l'étranger, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces émissions de radio sont essentiellement des émissions de propagande des discours qui sont à la fois à l'attention de l'intérieur pour les moments de cérémonie, mais également à l'attention de l'extérieur pour ceux qui suivaient les émissions de radio du Cambodge démocratique? Bien évidemment, ces émissions n'étaient qu'un instrument de propagande, surtout à des destinations de l'étranger et des cadres du parti. La population dans son ensemble, de temps en temps à l'occasion de meetings où on pouvait leur faire entendre des morceaux de ces émissions, mais dans l'ensemble, la population n'entendait même pas la radio du régime. Un certain nombre de personnages au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Information et de la Propagande, qui devait être responsable. Et je sais que Sun Sikun a travaillé pour ce genre d'émission, et que ça donnait lieu à un gros travail de tradition, puisqu'il fallait que ce soit
L'original était en Khmer, il fallait faire des traductions en français, en anglais, ça représentait un gros travail aux affaires étrangères, au ministère de l'agriculture. Mais la population elle-même, on l'entendait très peu. Donc, en matière de masse de documentation d'époque que vous avez utilisée dans le cadre de vos différentes recherches, l'essentiel, c'était donc les témoignages, ça, on a bien compris sur la question des slogans. Et après, au niveau des documents d'époque, c'est essentiellement la propagande, c'est-à-dire ce que le Kampuchea démocratique donnait à l'extérieur. Est-ce que vous convenez avec moi dans ces conditions que vous avez peu travaillé sur les documents plus secrets et plus en relation avec le travail derrière, le travail de l'ombre, et que c'est, ce n'est pas votre domaine d'intervention dans le cadre de vos recherches. Ceci est exact, d'autant plus que les autres personnes qui ont travaillé sur le Kampuchea démocratique, je pense surtout à David Chandler et Steve Heller, avaient utilisé toutes ces sources, en particulier David Chandler a publié un livre « Plans the Future » où on a là un certain nombre de documents essentiels expliquant la politique du Kampuchea démocratique dans sa version en anglais. Donc ça, c'est des sources primaires. C'est un volume important. Il y a aussi dans cette collection un deuxième volume. Donc, c'est dans leur traduction en anglais que j'ai pu les utiliser. Mon souci a toujours été de faire œuvre originale et ne pas nécessairement dupliquer le travail qui avait été fait précédemment à moi. Nous allons revenir un petit peu plus tard aux travaux effectués par d'autres auteurs qui se sont particulièrement plus intéressés à des documents d'archives de l'intérieur du Kampuchea démocratique. On en reviendra un petit peu plus tard. Pour le moment, je voudrais quelques questions complémentaires sur les archives de centres de sécurité sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition, à savoir que, en ce qui concerne les archives papier, les seules que vous avez pu étudier étaient celles de Khrengtachan, telles que vous les avez obtenues de votre ami qui était chercheur au DCKA. En effet, à quoi bon répéter le travail qui avait été fait fort bien par des quantités de chercheurs, je pense surtout à David Chandler, il a écrit un livre complet sur S21. Pourquoi est-ce que j'aurais été contrôlé ou dupliqué le travail de David Chandler? Au moment où j'ai fait cette étude globale, c'est quand même 30 pages, une synthèse de mon étude des archives de Khrengtachan avec l'aide de Cambodgiens. Je suis allé à la maison. Alors, je suis aussi allé à S21. J'ai fait faire un certain nombre de photocopies de personnes qui m'intéressaient. D'abord, c'était les étrangers, les Américains. J'ai fait aussi les archives de Taïa. Du nord-est, Ratanakiri. Donc j'ai photocopié un certain nombre d'archives de personnages que je connaissais. J'avais cherché celle de Chao Seng, mais c'est des années plus tard, surtout récemment, que j'ai appris que Chao Seng, sa confession avait été placé sous un autre nom. J'ai d'ailleurs été un petit peu déçu par sa confession, parce qu'en fait elle est assez brève.
ខ្ញុំឡើយសារភាពរបស់ខ្ញុំសេងនោះខ្ញុំជាយឹមសួរជំនួសជាក់លាក់ខ្ញុំសួរជំនួសជាក់លាក់ J'ai passé les années 90 à chercher les archives et je n'en ai pas trouvé. Vous avez évoqué la difficulté d'obtenir des archives, notamment parce qu'un certain nombre d'entre elles auraient été détruites par le nouveau pouvoir après la chute du Cambodge démocratique. Donc ma question est de savoir, quand vous faites généralités, par exemple, vous avez évoqué dans le cadre de votre interrogatoire par le coprocureur que le fonctionnement général, et ça j'ai pu comprendre que c'était une conclusion sur l'ensemble du territoire, que le fonctionnement des centres de sécurité au niveau des interrogatoires, c'était une personne qui interrogeait, une personne qui prenait les notes et une personne éventuellement... qui donnait des coups ou pratiquait la torture. Ma question est donc la suivante. Est-ce que ce sont des conclusions que vous tirez de l'exploitation des archives de la Krang-Tachan IS-21 éventuellement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous tirez d'autres sources, et si oui, lesquelles? Oui, si on regarde les archives écrites on n'a pas énormément de renseignements sur ce que vous venez de décrire. C'est évidemment par les témoignages des victimes, des interrogateurs et des interrogateurs que j'ai pu savoir comment ça se passait. Étant entendu toujours que c'est Mungson et son épouse Mungpali qui m'ont donné la clé qui a ouvert à ce monde mystérieux et que pratiquement personne ne connaissait. Et c'est pour ça que j'étais informé en 90, en Angleterre, l'été, donc je ne suis pas venu ici, mais en 91. Dès 91, j'ai fait le premier tour de l'ESAP et j'ai parcouru pas mal de provinces. Et mon horreur, je dois découvrir que ce que je croyais exceptionnel dans le district de était hélas la norme dans tous les districts et provinces que j'avais parcourus. Répondant à mon confrère de la partie civile, vous avez indiqué que, suivant le produit de vos recherches sur ces centres de sécurité, ils étaient essentiellement rattachés au district. C'est ce que j'ai compris de votre déposition. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous avez fait des recherches particulières sur les responsables de ces districts? En effet, dans mes notes et peut-être dans mes cahiers, dans les synthèses que j'ai données au tribunal, il y a beaucoup de noms, quelquefois c'était même des chiffres, étant donné que ces noms étaient des noms révolutionnaires, ça ne correspondait pas nécessairement à des noms de l'État civil. Les prisons derrière les 21 et les prisons derrière
la communauté populaire qui était déjà un lieu d'enfermement. Je n'ai pas cherché à identifier exactement quels étaient les personnages. Ça m'est arrivé parfois de trouver des personnages qui avaient encore des responsabilités politiques aujourd'hui. Mais il faut quand même savoir, étant donné, ça c'est quelque chose que je souligne, que j'ai souligné de nombreuses fois, que la répression s'est abattue essentiellement et en premier lieu sur les Khmer Rouges eux-mêmes. Donc, il serait extrêmement difficile maintenant, plus de 30 ans après, 79, je ne sais plus comment on en est le calcul, 35 ans après, de trouver des chefs de prison ou des chefs de district encore en vie. Premièrement, peut-être puisqu'il y a eu des purges internes, ceux qui étaient responsables de district ou responsables de prison ont eux-mêmes été exécutés et purgés par les Khmer Rouges. Et puis, avec les années qui sont passées, maintenant il en reste, je pense, très très peu et pratiquement plus. À l'audience de jeudi, donc le 28 juillet 2015, un petit peu après 14h04 et 51 secondes, vous avez dit ceci. Il y a certes quelques criminels qui ont été arrétés, placés en détention à Krang-Tachan, des cadres Khmer Rouge qui avaient accusé trop de gens. Je voudrais savoir ce qui vous fait dire ça et est-ce que vous vous souvenez de quel cadre Khmer Rouge avait accusé trop de gens? Oui, là c'est dans ma synthèse. Je sais plus combien c'était, c'était deux ou trois personnes, enfin au moins une en particulier. C'était donc vers, je crois que c'était peut-être en 77-78, dans les dernières phases du régime. Effectivement, mais ça, on était dans la région des Nerdeï, du sud-ouest. C'est évident que quand il y a eu les purges qui ont commencé avec Khoitun, dans le nord centre, après que se sont étendus au nord-ouest, et ensuite l'ouest, ensuite l'est, et le nord-est. Dans un premier temps, il a été proclamé qu'effectivement, les responsables qui ont été purgés avaient tué trop de gens, étaient des criminels, et qu'on allait les remplacer par des nouveaux, c'est-à-dire essentiellement les Nerdeï, les gens du sud-ouest, les gens de Tamok, et qu'ils allaient être gentils. Or, en relisant en détail toutes mes notes de Gopia, j'ai constaté que dans beaucoup d'endroits, on avait proclamé que tout allait mieux, qu'il n'y avait pas de purges, on allait manger mieux, etc. Mais les gens ont très vite déçu, parce qu'en réalité, les Nerdeï étaient aussi cruels, sinon plus, que les groupes précédents qui avaient été purgés. Il a comme... Et est-ce que vous vous souvenez de noms particuliers de cadres qui avaient été arrêtés et accusés de cruauté particulière? Oui, c'est dans mon article sur Krang-Tachan, qui sont identifiés par le nom en langue anglaise, en langue anglaise, leur âge, leur origine, d'où ils venaient. On n'a pas le temps parce que leur passe, leur tourne, mais vous pouvez vous référer exactement. Je ne me souviens plus, c'était un ou deux ou trois personnes parmi les gens de prisonniers qui avaient à Krang-Tachan. Il y avait effectivement un, deux ou trois criminels. Ce que nous, on appellerait criminel. Oui, c'est
Et vos sources sur ce point, c'était les sources documentaires, à savoir les rapports, les interrogatoires, des choses qui pouvaient avoir été obtenues à la suite de torture, ou est-ce que c'est des témoignages autres? Non, après mon souvenir, c'est les archives de Krantachan. Auprès d'un tribunal, ça n'a pas de valeur de preuve puisqu'ils ont été obtenus par la torture, on se menace de torture. Ou alors non, ça dépend si c'est des comptes rendus d'interrogatoire ou c'est des notices biographiques qui accompagnaient, je crois que c'était les notices biographiques qui accompagnaient les prisonniers. Précisément sur ces notices biographiques, comment avez-vous su que c'était notices biographiques qui arrivaient avec la personne au centre de détention? Eh bien, c'est une question à poser à Ben Kernan, parce que c'est lui qui a trouvé ses archives. Mais on peut évidemment fortement supposer que, puisqu'il les a trouvées à Khantachan, ils étaient bien là et qu'ils n'avaient pas été rajoutés par le manipulateur du régime du People's Republic of Cambodia, de la République populaire du Cambodia. En fait, je fais une distinction entre les notes d'interrogatoire et les notices biographiques, puisque vous-même faites cette distinction-là en disant qu'il y en a qui auraient été rédigés à Krantachan sur place, et qu'il y avait des documents avec lesquels les détenus arrivaient au centre de détention. Donc ma question est de savoir comment est-ce que vous savez qu'il y avait une différence entre ces documents et ces notices biographiques. ខ្ញុំរៀបអាយកសារទាំងពីរហ្នឹងហើយលោកមិនក៏លោកគិតថាប្រវត្តិរូបហ្នឹងមកជាមួយអ្នកទោសតែម្ដងមិនមែនត្រូវបានគេធ្វើនៅក្រាំងតាចាន់ផ្ទាល់ទេ Alors, je le sais sûr, évidemment, puisque ces notices se trouvaient à Khantachan, je veux dire, et qu'elles ont été retenues par Ben Kernan, mais surtout, je le savais, parce que dans tout le pays, les gens qui arrivaient dans une prison avaient un dossier sur eux, ils n'arrivaient pas, les mains vides avec les mains cachées derrière le dos, parce que, encore une fois, le régime du Cambodge démocratique était, contrairement à la tradition cambodgienne, un régime pas simplement de tradition orale, mais écrit, et tout était écrit. Alors ça, c'était une question qu'on a beaucoup posée à Douche, et je crois que là, c'était pas toujours très très clair, ces réponses. Si, évidemment, s'il y avait des dossiers, des notes biographiques sur les personnages qu'on lui a envoyés à S21, ou si elles avaient été établies à la va-vite au début, dans le moment où on prenait la photo, pour leur demander leur identité, etc. C'était pas très clair pour moi à S21, enfin, c'est peut-être pour le tribunal. Mais par contre, pour les prisons de province, c'est absolument certain que les prisonniers arrivaient avec un dossier puisqu'ils avaient pour deux raisons. D'abord, au départ, la plupart des prisonniers étaient des 17 avril ou le peuple nouveau, comme vous préférez qu'on les appelle. Et pratiquement chaque membre des peuples nouveaux, on lui demandait de rédiger sa propre autobiographie. On demandait aussi à chaque membre du parti de rédiger sa propre autobiographie et de répéter l'opération une ou deux années plus tard. Peut-être le peuple ancien a peut-être échappé plus à cette pratique. Le fait que ces prisonniers arriveraient avec des biographies déjà établies,
Vous l'avez lu quelque part, vous l'avez dit, je comprends pas que vous faites une description, mais je ne comprends pas quelle est la source de votre affirmation. La source, c'est mes multiples témoignages. Les gens disent, on m'a arrêté un soir, on m'a mis en place de police, et on m'a interrogé. Il y a quelqu'un qui prenait des notes quelque part. Maintenant, c'est très difficile de généraliser sur le campus démocratique, puisqu'il faut encore en plus que l'anarchie et le chaos. Dans certaines occasions, on a pu emmener, c'est le cas de Mungson, il a été arrêté chez lui. Et il croyait qu'on l'emmenait à Kampongsom, à Sihanoukville, et puis la voiture a bifurqué vers le nord et non pas vers le sud, et elle l'a emmenée à Khmer. Lui, il n'est pas passé par un poste de police. Voilà. Donc, mais je pense que sur Mungson, on avait déjà des renseignements, et qu'il a dû être, quand on l'a emmené à Tanay, il devait y avoir déjà un paquet. Au niveau des archives de Kreng Tachan spécifiquement, vous avez évoqué le fait que vous n'avez eu accès qu'à des photocopies. J'ai entendu votre explication sur laquelle il faut demander à Ben Kiernan, parce que ce serait lui qui aurait eu ces documents en main, le premier avant même le DCCAM. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez le souvenir, lorsque vous avez consulté ces documents, d'avoir vu des chiffres sur le nombre total de prisonniers à Kreng Tachan? Bon, je n'ai pas reparcouru tout le dossier d'archives que j'ai, de copies de Kreng Tachan avant de venir. Vous m'avez donné beaucoup de documents à lire et j'ai bien travaillé, maître. Pendant le week-end, j'ai relu tout ce que vous m'avez donné à lire. Vous ne m'avez pas dit qu'il fallait que je révise aussi les archives de Kreng Tachan. Mes souvenirs, c'est qu'effectivement, il y avait des listes, mais je ne crois pas me souvenir qu'il y avait des listes de prisonniers, des colonnes, mais est-ce qu'il y avait des chiffres totaux, je ne me rappelle pas. C'est moi qui ai fait le total, je crois, de noms qui étaient évoqués. Je crois que j'étais arrivé au chiffre de 477, si je ne me trompe. Donc ça faisait un peu moins de 500 personnes, qui étaient très très loin, pas du tout être la totalité des personnes qui étaient passées par Kreng Tachan. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, qu'on puisse vous remettre une page d'un document E3-2107, qui est une mention manuscrite sur laquelle nous avons eu à faire une requête, mais qui évoque un nombre de personnes, et je voulais savoir si vous aviez le souvenir d'avoir vu ce document. Donc c'est le document E3-2107, en français 00655525 725, et en anglais 00290205. Si on peut remettre. Et pendant que le document est remis à M. Locard, je précise que sur la version en anglais, on a une mention, et je vais la lire en anglais, une mention de l'équipe de traduction qui dit que la mention manuscrite apparaît sur une page séparée. Et c'est dit exactement à l'ERN que je viens de citer. Separate page, scribble note, not in the... Not in the handwriting of the rest of the document. Fin de citation. Donc,
je sais que ce n'est pas forcément évident de se souvenir de tous les documents que vous avez consultés sur Krintachan, mais est-ce que vous vous souvenez avoir eu accès à cette note, à cette page séparée d'un document avec cette écriture particulière mentionnant le chiffre de 15 000 ennemis. Oui, effectivement, il y a bien le chiffre de 15 000 ici en chiffre arabe. En fait, ma question n'est pas de vous faire confirmer ce qui est écrit, mais de savoir si vous aviez lu ce document. Ce qu'il faudrait, ce qui serait utile, c'est que j'aille à AS21 ou à DCCAM avec ma collection de photocopies et voir si elle est complète, si ce document en Khmer ne me dit rien du tout. Parce que j'aurais certainement de le faire déchiffrer. C'est dans une écriture c'est 603 de la région A priori, c'est marqué la région 105. En fait, région 105. Bon, non, ça ne me dit rien. Si ça ne vous dit rien, je ne pose pas de questions supplémentaires sur le sujet. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur la question de la difficulté d'avoir des archives, de la destruction des archives et également de la propagande qui a pu avoir lieu sur les chiffres ou sur le type de document qui a été utilisé par les chercheurs juste après la chute du Kampuchea démocratique. Vous avez entendu un certain nombre de témoins juste quand vous avez commencé vos recherches et vous avez fait un rapport, notamment le rapport E3-2071 sur intitulé Notes de recherche sur les réseaux du Kampuchea démocratique, région nord-ouest. Et, comme vous l'a fait remarquer mon confrère tout à l'heure, vous avez à plusieurs reprises dans ce document, et notamment à la page en Khmer 002-3-3-3-8-7 et ça se poursuit sur la page suivante à l'URL en français 00-29-27-7-9 et à l'URL en anglais 00-8-7-3-0-6 et vous faites des commentaires en fonction de ce qui vous est rapporté. Et là, par exemple, vous dites, c'est la propagande habituelle du RPK et les témoins se croient-ils obligés de le répéter ou y croient-ils vraiment ? Un autre commentaire que vous mentionnez dans un autre rapport, ou plutôt le même rapport à une autre page, document en français 00-292-788, ERN en anglais 00-087-316 et ERN en Khmer 00-233-403. Vous évoquez un chiffre qui vous est donné et vous dites au cours de la période de Heng Samrin, le nombre de personnes exécutées sur ce lieu aurait été de 50 000. Et entre crochets, votre commentaire est l'estimation du DCCAM tourne autour de 20 000 à 25 000. Fin de citation.
Je vais tout à l'heure vous confronter encore à un autre passage d'un autre rapport, mais de façon générale, comment cela se passait-il pour vous lorsque vous travaillez sur des documents ou sur des informations où vous évoquez des chiffres? Comment est-ce que vous preniez en compte ces chiffres et comment vous les confrontiez et à quoi vous les confrontiez? Oui, alors les chiffres qui ont été donnés par les autorités de la République populaire du Cambodge démocratique étaient souvent tellement extravagants que même DICICAM, qui était moins prudent que moi, trouvait que c'était très probablement exagéré. C'était Kassavut, l'avocat de Douch qui a évoqué des prisons où on avait exécuté 100 000 personnes. Je peux vous garantir que ces chiffres sont complètement fantaisistes et qu'ils n'approchent en rien la réalité. Le plus grand nombre d'exécutions a pu se passer du côté de Kro Lang, province de Siem Reap ou de Sisopon, où effectivement l'ensemble de la population était considérée comme tout à fait loin du pays, comme peuple nouveau. Donc la répression était plus sanglante. Alors, nécessairement, ces remarques, je pense qu'elles doivent dater du début des années 90. Vous ne me donnez pas les dates, parce que je crois que chaque fois je mettais les dates de mes interviews. Je pense que c'était plutôt dans les débuts de mes recherches. Formé par un peu par Jean-Luc Domnac, qui est un spécialiste de la Chine et qui m'a toujours recommandé de terminer les thèses, d'être très prudent dans les chiffres qu'on annonce. J'ai plutôt tendance, et d'autre part, je sais comment fonctionne la mémoire, plus les années passent, plus les chiffres se gonflent. J'ai toujours eu tendance à plutôt minorer quand on me demandait de mettre les hypothèses basses et les hypothèses hautes. J'ai toujours pris plutôt l'hypothèse basse qui me paraissait probablement plus proche de la réalité. Je crois que, comme je l'ai expliqué, il y avait un certain nombre d'indices qui nous permettaient d'identifier l'importance de ce lieu de torture, d'interrogatoire et d'exécution, avec d'une part, je ne l'ai peut-être pas dit la première fois, mais c'est les locaux, l'importance du nombre de prisonniers qu'il pouvait y avoir, et puis les mouvements, comme je l'ai indiqué plus tôt, le nombre de prisonniers qui pouvaient être amenés chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, et également la durée d'existence de telle ou telle institution. Sachant que je n'ai jamais pris pour argent comptant les chiffres donnés par la République populaire du Cambodge. Il faut dire que après la mise en place d'un régime pluriparti et la nouvelle constitution, les autorités étaient moins soucieuses de s'intéresser au Cambodge démocratique, surtout depuis le retour de Sihanouk. Et là, j'avais de moins en moins affaire aux autorités. បាទអរគុណអរគុណលោកអ្នកជំនាញឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអនុការសម្រាប់ចាប់ទៅពេលនេះទៅទៅហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញយើងវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសន្និបាតការមន្ត្រីរដ្ឋបាលឡាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅទូករងចាំមេបស័ក្តិសីដល់ស័ក្តិសីអ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសុខជុំសម្រាប់និងអរជើគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់កិច្ចកម្មក្នុងទូកសន្និបាតការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ